d'Agadir à Tarodante, avec des dunes, des chameaux, bref, il nous fallait un pick-up. Ce pick-up, nous l'avons trouvé chez Volkswagen. C'est à Maroc, à Maroc, au Maroc. C'est tout de suite dans Destination Automobile. C'est par la route des Arganiers, après avoir avalé quelques dizaines de kilomètres de dunes du Sousse-Massa, que nous avons rejoint Tarodante, cité ancienne protégée par ses remparts et surtout très loin du tumulte touristique d'Agadir ou de Marrakech. Vous l'aurez compris, c'est au sud du Maroc, au pied du Haut Atlas, que nous avons découvert le potentiel du nouveau pick-up de Volkswagen à Maroc. À Maroc, un loup au Maroc, de Sif en Sahel, de Tizi en Metchbed, ce fut une belle expédition à bord du cousin d'un Touareg du coin. Né pour le loisir et le travail, le pick-up de Volkswagen est d'abord proposé en version 4 portes double cabine, permettant d'accueillir 5 personnes à bord. Pour les bagages, il faudra voir du côté de la benne. Bien sûr, sa vocation première est de s'adresser aux professionnels en tant qu'outil fonctionnel eu égard à son volume de chargement allant jusqu'à 1 tonne 150 et à sa capacité de remorquage de 2 tonnes 8. Le tout avec un véritable véhicule tout-terrain disposant de 3 types de transmission. Transmission intégrale permanente ou 4Motion, transmission intégrale enclenchable et propulsion 4-2 pour des usages plus sages sur le bitume. Testée off-road, notamment sur des dunes un peu fourbes, notre version équipée du 2 litres TDI de 163 chevaux en 4x4 enclenchable s'est montrée habile, puissant à souhait lors de franchissements délicats effectués en position 4x4 là-haut et surtout sécurisante, notamment grâce à la panoplie de technologies embarquées. On évoquera bien sûr l'assistant de descente ou HDC, toujours aussi bluffant et terriblement efficace. Mais un Maroc est aussi, on l'a dit, un véhicule de loisirs. On parlera de pick-up lifestyle avec des équipements haut de gamme comme la climatisation automatique, le GPS, la radio CD MP3, le radar de recul, la sellerie cuir partielle, de quoi se sentir quasiment à bord d'un Touareg dont il emprunte en partie la face avant, mais annonçant quand même 5,25 m sous la toise. Deux moteurs au programme, les 2 litres TDI de 122 et 163 chevaux, ce dernier offrant un couple généreux de 400 Nm et une consommation mixte annoncée de 7,8 litres au 100 km, ce qui est un petit exploit en la matière. Côté CO2, ça sera 206 g au kilomètre. Pas de boîte automatique, mais une manuelle à 6 rapports, 3 finitions, Startline, Trendline et Highline, et des tarifs compris entre 26 480 et 36 280 euros. En France, le marché du pick-up représente 12 à 13 000 ventes par an. Volkswagen espère commercialiser entre 1 200 et 1 500 à Maroc chaque année sur notre marché.